Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, Amis Bélier, avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune Nertus qui vient vous dire « Cultive ta sérénité et ta joie ». Donc déjà, ça va être une semaine où vous aurez plutôt tendance à être en paix avec ce que vous vivez, à être en paix avec vous-même et à être joyeux et joyeuse de ce que la vie vous amène. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes tes tensions. Donc vous aurez plutôt une tendance à calmer les discussions, à calmer les dialogues, peut-être aussi à jouer les diplomates également. Donc votre présence sera un plus lors de discussions, alors peut-être au niveau dans les relations familiales, peut-être aussi avec votre partenaire de vie, aussi également peut-être au sein de votre profession également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Oui, des fois, il faut savoir prendre le recul. Comme je dis souvent, il y a des batailles qui ne valent pas d'être menées. Et au contraire, il vaut mieux prendre le recul nécessaire pour que la situation se désamorce d'elle-même. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui, on peut ressentir une forme de paix, de sérénité, une harmonie chez vous, amis Bélier, pour cette semaine. Ici, de quoi vous parle-t-on? Eh bien, écoutez, c'est le miroir magique, c'est la meilleure carte de l'oracle des miroirs. Donc ici, on peut vous dire que vous allez bénéficier de chance cette semaine, de belles énergies vont vous accompagner. Alors, avant de vous accompagner, il y aura aussi peut-être une rencontre également. Vous serez attiré par une personne, et vous attirerez aussi une personne. Ici, on parle de charme, on parle de séduction. Mais ça peut être aussi charmer et séduire quelqu'un aussi dans le travail, c'est-à-dire par vos compétences, par votre manière de raisonner, par votre manière aussi de regarder les situations sous un angle différent. Donc ici, oui, vous aurez des opportunités, il y aura peut-être des portes qui vont s'ouvrir pour vous, amis Bélier, mais il y aura aussi peut-être une rencontre amoureuse également pour vous. Voyez comment ça peut vous parler pour cette semaine. En tout cas, ici, on peut prendre conscience qu'il y aura aussi des échanges, il y aura aussi de la communication qui sera positive. Vous serez écouté et vous serez écouté également. Vous saurez peut-être donner aussi des bons conseils, mais vous saurez aussi les écouter. Ici, on voit bien qu'il y a quand même des échanges positifs, des échanges aussi qui vont vous permettre d'avancer et de vous sentir aussi sûr de vous, dans le sens où bah, vous verrez que vous avez vous aider, vous savez apporter votre aide, vous savez apporter votre écoute, vous savez aussi peut-être apaiser et calmer la personne qui est en face de vous. Alors, quelle que soit la situation, que ce soit peut-être par rapport à un problème professionnel également, que ce soit peut-être au sein de votre sphère sociale avec vos amis également. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une belle énergie de calme, de sérénité, une bonne communication aussi. Vous aiderez peut-être les gens à se poser les bonnes questions pour les aider à avancer et pour les aider à se remettre en question, mais de manière positive, peut-être pour guérir aussi certaines incompréhensions qu'ils ont avec eux-mêmes. Bon, bah, c'est plutôt une bonne semaine. Ici, on vous dit quoi? On dit, vous voyez, parole, il y aura des discussions. C'est ce qu'on vous disait aussi avec le petit oracle des runes. Cultive ta sérénité et ta joie, parce que grâce à votre présence, vous allez désamorcer les tensions. Les tensions qu'il pourrait y avoir lors de discussions, alors peut-être lors de réunions au niveau professionnel, au niveau familial aussi, peut-être qu'il y aura des réunions familiales où vous devrez intervenir. En tout cas, vous saurez intervenir de manière calme, de manière posée. Vous saurez exposer les faits sans énervement et vous saurez vous cantonner uniquement justement dans l'exposition de l'essentiel en fait. Vous voyez, en tout cas, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, il y aura beaucoup de communication. Ce sera vraiment une semaine où on communique, où, alors la communication c'est aussi bien verbale qu'écrite. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit que, oui, bah regardez, on tire la carte de la sérénité. Donc c'est vraiment une semaine, j'ai pas envie de dire cool,
Mais c'est vraiment une semaine plutôt calme. Ce sera des échanges où vous n'aurez pas envie de vous énerver. Et pourtant, il y a la pleine lune en bélier cette semaine. Donc ici, oui, vous n'aurez pas cette âme guerrière. Vous aurez plutôt cette âme. Alors, le guerrier, ça sera peut-être le guerrier au repos. Oui, je combats, mais de manière tranquille, de manière paisible, en essayant d'apporter des solutions. Et plutôt que alors, j'aime pas dire cette expression concernant les béliers, parce que je suis moi-même bélier, mais vous ne serez pas de défoncer des portes ouvertes en fait. Hein. Les portes, elles seront ouvertes et vous saurez les franchir de manière sereine. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt sympathique comme énergie cette semaine. Ici, bien oui, il y aura des paroles, il y aura des discussions, il y aura des communications écrites, verbales. Ici, mais qui seront positives. Ici, il pourrait y avoir aussi des réponses à des questions. Peut-être qu'ici, vous allez passer un entretien d'embauche et cet entretien d'embauche va bien se passer. Alors, peut-être qu'ici, certains d'entre vous ne seront pas embauchés pour l'entretien que vous allez passer, mais peut-être qu'on pensera à vous, à votre CV, peut-être pour un autre service dans la même boîte. Ou ici, peut-être que votre CV va circuler justement pour. Parce qu'il intéressera peut-être d'autres unités. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt très positif pour vous, amis Bélier, cette semaine. Donc, dans la communication, dans votre manière d'être, j'ai envie de vous dire aussi, dans votre manière d'exprimer. Il y a un comportement verbal et non verbal, une communication expressive et non expressive. En fait, vous saurez avoir la bonne attitude, en fait. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'attirance. Il y a une attirance envers une personne, ou peut-être qu'il y a une personne qui vous attire également. En tout cas, c'est tout en sérénité. Ici, on avance tranquillement. On ne brûle pas les étapes. Et on apprend à découvrir l'autre. Alors, si c'est une attirance amoureuse, on apprend à découvrir l'autre étape après étape. On ne veut surtout pas accélérer les choses parce qu'on veut vivre. Alors, justement. C'est le début, c'est ce qu'il y a de meilleur en fait. Hein. On apprend à découvrir la personne, on apprend à découvrir ses goûts, on a des petites attentions qui après il faut faire perdurer bien évidemment. Mais ici c'est vraiment, on respecte les étapes après étape. Donc ici on prend son temps pour découvrir la personne. Donc tout en sérénité, ici tout dans le plaisir, en fait, tout dans le plaisir et dans l'envie de découvrir l'autre. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les Lions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la rune L. Ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Donc ici, on a envie de vous dire tout simplement, lâchez-vous la grappe. Ici, vous exigez trop de vous. Vous voulez faire trop. Non, que vous vouliez évoluer, que vous vouliez progresser, c'est bien. Mais si, surtout, arrêtez d'être trop exigeant pour vous. Arrêtez de vous mettre la pression. D'accord? Donc ici, on vous dit, ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les, illumine tes ombres, tu es capable de tout. Oui, c'est bien de connaître vos ombres, votre part d'ombre, et mettez la lumière sur ces parts d'ombre. N'oubliez pas que les parts d'ombre font partie de nous et sont un enrichissement. Des fois, nos parts d'ombre nous protègent aussi de vouloir aller trop dans la lumière également. Donc, il faut trouver un juste équilibre, c'est comme le yin et le yang. Le yin et le yang, c'est une part d'ombre dans la lumière, une part de lumière dans l'ombre. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli message ici. Donc, lâchez-vous la grappe, vous êtes bien comme vous êtes, avancez sur votre chemin de manière sereine, sans vous mettre la pression. Chaque chose en son temps, j'ai envie de vous dire, un million. Ici, on vous parle de quoi? On parle de naissance. On vous dit, alors peut-être que pour certains d'entre vous, si vous êtes dans un projet bébé, on vous dit qu'effectivement, un bébé pourrait bien évidemment pointer son nez alors dans les 9 prochains mois. Donc ici, vous pourriez avoir des annonces effectivement de grossesse. Et sinon, on peut parler aussi d'un nouveau projet. Ici, c'est un projet que vous avez mûri, qui était en gestation en fait, et que vous êtes prêt et prête à donner vie. Vous êtes prêt et prête à donner naissance à ce projet justement. Donc ici, oui, la naissance d'un nouveau projet, la naissance de nouvelles idées également, peut-être de créer peut-être un nouveau projet ou peut-être par rapport à une passion également.
voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, eh bien, on vous dit oui. Oui, c'est le bon moment de donner naissance à un projet. C'est le bon moment de vous lancer dans quelque chose qui est dans quelque chose qui sera très créatif, qui vous apportera véritablement de belles surprises également. Ici, regardez, avec la dominance de la couleur rouge, ici, on vous dit travailler sur votre ancrage également. Plus vous serez enraciné, plus vous serez aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. C'est-à-dire qu'ici, ben, vous saurez exactement où vous voulez aller, dans quelle activité vous voulez vous réaliser ou ce que vous voulez créer également. Et ici, ben oui, à partir du moment où on est aligné avec soi-même, c'est-à-dire qu'on est prêt et prête vraiment à se lancer dans quelque chose qui nous parle véritablement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, 1 million. Donc oui, c'est pour ça qu'on vous dit aussi de ben, chaque chose en son temps, oui, il est temps de donner naissance à votre projet. Oui, mais ce projet doit avancer à son rythme en fait. Ça ne sert à rien d'essayer de vouloir absolument accélérer le projet, de vous mettre la pression pour absolument vite, vite, vite avancer. Non, avancez à votre rythme. Prenez la mesure également de ce projet pour pouvoir le faire grandir. Ici, j'ai envie de vous dire aussi, ne vous contentez pas de petit, essayez de voir grand. Essayez de voir grand en vous apportant différentes possibilités, en vous apportant également différentes options par rapport à ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Ici, on vous parle de loi. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, ici, la loi, ça veut dire qu'il va falloir peut-être passer par rapport à ce projet, par la création d'une auto-entreprise. Bah, effectivement, ça fait partie de la loi. Ici, peut-être que vous allez vous entourer peut-être d'autres personnes justement pour voir comment vous pouvez transformer votre activité. Si c'est peut-être par rapport à une association également. En tout cas, ici, la loi, ça nous parle aussi de la balance. La balance, c'est quoi? C'est l'équilibre. Donc ici, on peut parler également de trouver son équilibre dans une activité ou dans une action également. Donc ici, on va vouloir véritablement ben, être serein et sereine par rapport à ce que l'on vit. On va vouloir faire des choses pour se sentir bien, se sentir épanoui également. La loi, ça peut être aussi, peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en plein procès également. Alors, cette procès peut-être ici parce que vous divorcez, peut-être qu'ici pour d'autres, c'est parce que vous êtes en train de... Peut-être que c'est avec le patron également. C'est des instances prud'homales également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, il peut y avoir ça. Également, on va aller voir la suite. Donc ici, vous doutez, peut-être vous doutez de certaines de vos démarches également. Vous doutez peut-être ici du bien fondé de vos envies. Alors si c'est par rapport à vos projets, est-ce que je fais bien de me lancer dans ce projet? Oui, parce que ça vous apporte de l'équilibre. Oui, parce que ça va vous apporter... Alors, ce projet-là, peut-être que c'est en plus de votre activité, d'une activité professionnelle déjà. Peut-être qu'ici, c'est peut-être par rapport à une passion, vous voulez monter une association, vous voulez participer ou créer votre projet qui a trait à une passion. Je ne sais pas, par exemple, vous travaillez, je ne sais pas, vous êtes secrétaire médical et à côté, vous avez une passion, par exemple, la poterie. Donc, peut-être qu'ici, vous voulez créer une association de poterie. Hein. Alors, c'est un exemple, la poterie. Hein. Remettez en fonction de ce que vous voulez. Mais ici, peut-être que oui, vous doutez. Est-ce que je fais bien de me lancer dans ce projet-là? Est-ce que ça ne va pas prendre trop de temps? Et on vous dit non. Au contraire, ça va vous apporter de l'équilibre. Ben oui, à partir du moment où on fait les choses qui nous plaisent, ben oui, ça apporte de l'équilibre. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, ça peut apporter des biens. Donc peut-être pour certains aussi, vous avez des doutes par rapport à une séparation également. Ben oui, mais cette séparation, ça, de vous sentir déjà séparé de la personne, ça vous apporte un équilibre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, vous ne doutez pas. Vous n'allez pas douter longtemps par rapport à vos doutes. Qu'en fait, ce que vous êtes en train d'entreprendre, comme ça vous apporte un équilibre, ça vous apporte aussi de la sérénité également. Donc les doutes vont vite être chassés par cet équilibre que l'on a en soi. Ici, on vous dit que oui. Alors ce projet, peut-être qu'il va falloir peut-être aussi le déclarer devant la loi. Peut-être qu'ici, ce projet, ça va peut-être créer une auto-entreprise, peut-être créer une entreprise tout court, peut-être que ce sera une association aussi à but non lucratif également, peut-être que vous devrez en passer par là. Ici, ce projet, en tout cas, va vous apporter de l'équilibre, va vous aider à vous épanouir aussi dans ce que vous avez envie d'entreprendre, dans ce que vous avez envie de mettre en place aussi, amis Lion. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc oui, allez-y, lancez-vous dans ce projet, mais lancez-vous à votre rythme, j'ai envie de vous dire. Là, on vous dit, ne vous mettez pas la pression. Non. Il faut vraiment que ce projet vous apporte l'équilibre et continue à vous apporter d'équilibre, pas à vous stresser. D'accord?
Et ici, on vous dit oui. Oui, vous aurez des doutes, un million, mais c'est normal. N'oubliez pas que souvent, les doutes sont là aussi, sont des questionnements nécessaires pour avancer, pour se prémunir peut-être de trop s'emballer, pour se prémunir aussi de voir les choses et pour ne pas tomber dans certains pièges également. Donc oui, c'est normal que vous ayez des doutes, c'est normal que vous posiez des questions. Les questions vous aideront justement à avancer de la meilleure façon qui soit. Voilà pour vous, un million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million, une excellente semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la rune d'Agaz qui vous dit « Et la lumière fut !» Et la lumière fut, ça y est, vous avez des bonnes idées, à mon avis. Hein. « Le jour est de retour sur la nuit, c'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. » Donc ici, il y a des prises de conscience. Ici, peut-être qu'on voit plus les choses dans le positif que dans le négatif, puisqu'on chasse la nuit, puisque le jour est de retour. Donc oui, on retrouve de l'optimisme, on se sent de plus positif par rapport à ses projets, par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'on a envie de créer également. Donc oui, peut-être qu'ici, ça marque aussi la fin d'un cycle, ou alors d'un cycle de quelques semaines ou de plusieurs mois, où on était plutôt dans certaines galères, où on n'arrivait peut-être pas à avancer comme vous voulez dans ses projets, dans sa vie en général également. Et là, on vous dit, ça y est, c'est bon, il y a un changement, il y a un basculement, ami Sagittaire, pour vous. Donc ici, il y a des prises de conscience, peut-être aussi c'est le fait de prendre conscience par rapport à certaines situations qui font que ça va vous permettre d'avancer. Donc, célèbre ton succès tout en restant humble. Félicitations. Donc ici, on vous annonce quand même un triomphe, on vous annonce un succès. Alors peut-être qu'ici, vous allez commencer peut-être la semaine en disant « Ok, j'ai compris comment être avancé dans mon projet, j'ai compris comment me poser les bonnes questions et j'ai compris justement, je retrouve mon optimisme, donc je retrouve l'envie de me lancer dans de nouveaux projets. » Et on vous dit que justement, ces nouveaux projets, peut-être qu'il y en aura qui seront sur du très court terme, donc vous aurez déjà des félicitations, vous aurez déjà du succès, et pour d'autres, ce sera une construction sur du plus long terme. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaires. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, écoutez, on vous parle de joie, il y a quelque chose qui va être fêté. Alors que peut-être pour certains, ici, on voit quand même deux personnes qui se marient. Alors peut-être qu'ici, c'est peut-être une demande d'officialisation. Ici, peut-être que c'est peut-être des demandes en mariage. Ici, peut-être qu'il y a des choses à célébrer. Peut-être qu'ici, il y aura un succès, un projet. Peut-être que vous allez vous lancer dans un projet et vous allez vouloir le fêter avec vos amis. Ça y est. Par exemple, je sais pas, pour certains, c'est entre eux. Peut-être que c'est l'ouverture peut-être d'un magasin, l'ouverture d'un... vous allez vous lancer peut-être dans l'ouverture d'un restaurant également. Vous allez vouloir peut-être vous lancer dans l'inauguration avec des amis et peut-être d'autres professionnels également. Donc ici, félicitations, il y a beaucoup de joie. Ici, on est plutôt content. Donc c'est ce que je vous dis, on retrouve l'envie également, l'envie de se lancer dans de nouveaux projets. Donc ici, il y a quand même une forme d'officialisation, donc c'est quelque chose qui va vraiment vous marquer, qui va vraiment vous les aider à passer un cap en tout cas. Donc il y a de la joie, il y a de la fête. Ici, on vous dit qu'il y a du hasard. Alors on sait bien que le hasard n'existe pas. Le hasard n'est pas du hasard, en fait, c'est quelque chose qui... Donc ici, il y a quelque chose d'imprévu. Il y a quelque chose qui... alors, c'est pas accidentel, mais c'est quelque chose auquel vous attendiez pas. En tout cas, regardez avec le fond de la carte qui est bleu. C'est quelque chose qui... C'est un événement plutôt serein qui va vous apporter de la joie. Donc, quelque chose que ne vous attendiez pas, qui va vous apporter de la joie. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être une demande en mariage, c'est peut-être une officialisation, peut-être que c'est peut-être aussi apprendre qu'il y a un heureux événement qui se prépare également et vous verrez la bouille de cet heureux événement dans 9 mois. Donc, il peut y avoir ce genre de nouvelles également. Ça peut être aussi une bonne nouvelle par rapport à un projet. Donc ici, on va vouloir en faire part à sa moitié, si vous êtes en couple, à vos amis, à votre famille. Donc, il y a vraiment de belles nouvelles qui arrivent pour vous, amis Sagittaires. Des nouvelles peut-être que vous n'espériez plus, que vous n'attendiez plus, ou que vous n'attendiez peut-être pas du tout. Oui, comme ça peut résonner pour vous, en tout cas, c'est plutôt sympathique. C'est des belles énergies. Ici, on parle d'amour. Alors, ici, on va cacher la carte parce que sinon, on va être
Voilà, parce qu'ils ne veulent plus voir ça. Donc ici, oui, il y a une belle relation amoureuse. Ou vous vivez déjà une belle relation amoureuse. Ou en tout cas ici, bah, on retrouve l'envie de faire les choses avec amour, avec plaisir. Peut-être qu'ici, on peut parler d'une passion. Peut-être qu'ici, il y a un projet qui va vous passionner également. Ou tout simplement, vous vivez une belle relation amoureuse. Ou peut-être qu'ici, il y a une relation amoureuse qui est en train de, qui va arriver vers vous, une nouvelle rencontre. Ça va mettre le chaos dans votre vie. Ben oui, ça va bouleverser votre vie, forcément. Surtout si vous n'y attendiez pas. Mais c'est plutôt un beau chaos. C'est un chaos positif pour vous, ami Sagittaire. Donc ici, oui, ça va peut-être bah, perturber votre routine, forcément. Ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort, à vous ouvrir à de nouvelles énergies, à vous ouvrir à une nouvelle personne également. Donc oui, vous allez vivre une période de chaos parce que bah, il faut réapprendre à vivre à deux, il faut réapprendre à ouvrir son cœur également. Donc oui, comme ça peut vous parler, donc oui, il y a vraiment quelque chose de sympa. C'est un chaos amoureux, c'est un chaos positif ici. Donc oui, d'où la joie, d'où le fait qu'on vous dit félicitations, donc félicitations. Oui, il y a quelque chose de nouveau qui va bouleverser votre vie, qui va par contre vous redonner le peps, qui va vous redonner l'optimisme. Ouais, qui va vous permettre de voir la vie en rose en fait. Hein. Donc ici, ben, joie, oui, parce qu'il y a l'amour. Donc on va célébrer l'amour. Alors comme je vous ai dit, ben, une officialisation, ici on ne peut pas dire mieux, hein, une officialisation, une demande en mariage, une demande de passe, une demande de vivre sous le même toit également. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies amoureuses qui se dégagent. Donc ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui va vous mettre en joie, qui va apporter de la joie dans votre vie en tout cas, et qui va vous permettre comment dirais-je, de reprendre confiance dans l'amour, dans les sentiments amoureux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Sagittaire, et je vais la positionner comme ça ici. Qu'on ne doit pas faire, mon Dieu? Et ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive dans votre vie et qui va créer du chaos. Mais qui, ouais, vu que les cartes sont positives, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose que. Bah, que vous n'attendiez pas, mais peut-être que vous pressentiez, vous dites, bah oui, mais c'est marrant, je pressens qu'il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui va venir bouleverser tout ça. Ou peut-être que vous avez appelé justement à dire, ah, bah, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose qui bouge là dans ma vie, bah, il y a quelque chose qui va arriver, qui va faire bouger les choses, effectivement. Ça va vous pousser hors de vos habitudes, ça va vous obliger à vous ouvrir peut-être à de nouvelles formations, à de nouvelles lectures, à de nouveaux apprentissages, ça va vous ouvrir peut-être aussi à de nouvelles personnes. En tout cas, c'est quelque chose qui vient du hasard et qui va vous apporter ben, un sacré chamboulement, mais un chamboulement positif, un chamboulement qui va vous apporter plus tard des belles satisfactions, qui va vous apporter une belle victoire peut-être sur la vie. Peut-être qu'ici, ce qui arrive ici, c'est peut-être par rapport à des choses que vous avez mis en place il y a quelques temps, que vous avez oublié et ça va ressortir maintenant. Ben, il y a les énergies de l'équinoxe d'automne, bien sûr, on a changé d'énergie, bien évidemment. Ici, l'automne, c'est la transmutation, puisqu'il y a encore des changements, puisque les arbres perdent leurs feuilles, donc c'est une période de transformation, mais c'est aussi une période d'abondance, puisqu'on récolte on vendange. Donc ici, ça peut être quelque chose qui va se transformer dans votre vie et qui va vous apporter des satisfactions. Voilà pour vous, amis Sagittaires. En tout cas, c'est plutôt très positif. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.